Vous êtes ici en direct du rond-point du Mine de l'Homme, le marché d'intérêt national de Lille, où nous nous rassemblons depuis le 17 novembre 2018. Et ici, vous voyez un arbre à loc, comme on dit d'Ache Nord, au nom de. À bout de gilets jaunes ensanglantés. Ici, par exemple, Alain. Par exemple, ici, Alain blessé à la tête. À Manu. À Axel. Enfin, beaucoup de gilets jaunes blessés par la police. Macroéconomique, et effectivement, vous l'avez très bien commencé à le faire, actuel, qu'est-ce qu'il est? Où est la demande? Il faut arrêter avec ces histoires de projection de 3%, 5%. Où est la demande? Vous avez des plans sociaux. Vous avez tout ce que vous expliquez, chômage partiel, vrai chômage. Une augmentation sans précédent de la pauvreté. Énorme problème, où est la demande? Que font les gens comme vous, comme nous, qui ont un bon revenu? Ils épargnent. Où est la demande? Où est la demande? Les secteurs moteurs de l'économie française, le tourisme. Le tourisme ne va pas retrouver l'année dernière son niveau habituel, évident. L'aéronautique, évident. Où est la demande pour l'économie française? Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et évidemment que l'année prochaine, il y aura un petit redémarrage, mais qui va être ridicule. Il faut qu'on arrête avec ces histoires de parler de croissance. On a une économie, je suis désolé de le dire, qui est en train de s'effondrer dans certains secteurs, dans certaines régions et dans des pans entiers de la population. Je suis désolé de casser l'ambiance, on est le 24 décembre, il y a des millions de familles aujourd'hui qui ont froid, qui ont faim. Je rappelle que le préfet de Seine-Saint-Denis, au premier confinement, a parlé de sa crainte d'émeute de la faim. D'émeute de la faim. Un préfet qui dit ça dans la presse. On a aujourd'hui des dizaines de milliers de lycéens et d'étudiants qui ont arrêté définitivement leurs études, qui vont passer toute leur vie active sans être diplômés. Regardez les jeunes qui ont pris le premier confinement dans la tronche quand ils étaient en terminale, qui ont des problèmes psychologiques, sociaux, tout ce que vous voulez. Ils ne sont pas responsables, on ne vit pas tous dans la même famille. Ils ont galéré pour avoir le bac. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre? On les a laissés crever. On les a laissés crever, ces étudiants, alors qu'il y avait des solutions évidentes. Alors que ce qui est hallucinant, c'est qu'au mois de mai, et ça me concerne directement, c'est mes étudiants, puisque je suis en master. En mois de mai, on a eu des dizaines de milliers de diplômés.
aucun n'a trouvé de stage, aucun n'a trouvé de boulot, ils étaient sur le carreau. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qui était évident et qui n'a même pas été discuté? Qu'aucun parti n'a... C'est une honte absolue pour notre classe politique. Il fallait embaucher ces jeunes diplômés Bac plus 4, Bac plus 5, les former pendant l'été. Moi, on était plein de profs, moi je le faisais bénévolement, tout ce que vous voulez. C'est pas un problème. Et qu'ils auraient été les tuteurs des nouveaux étudiants qui sont arrivés là en septembre. Personne ne l'a fait, on n'en a même pas parlé. Les nouveaux étudiants... ils sont bousillés pour l'ensemble de leur vie active. Et dans quelques années, on va venir pleurer sur l'augmentation de la délinquance, etc. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont devenir, tous ces jeunes? Il n'y a aucune perspective pour eux. C'est fini. C'est fini. Et là, ma fac ne va pas réouvrir. On va continuer au second semestre. On ne fait toujours rien. C'est monstrueux. C'est monstrueux ce qui se passe. C'est absolument sans précédent. Et on va venir pleurer derrière, alors qu'en même temps, la recherche économique et sociologique a beaucoup avancé ces dernières années. Et on sait, par exemple, qu'une personne au chômage coûte plus cher à la société que si elle était embauchée. Il y a des associations qui bossent à Marseille, qui logent, qui soignent gratuitement des personnes à la rue. Elles ont fait leur compte, ces associations. À la fin de l'année, la personne logée gratuitement, elle coûte moins cher à la société que quand elle est dehors, parce que quand elle est dehors, elle peut pas suivre ses traitements médicaux. Elle a des problèmes avec la justice. C'est monstrueux ce qui se passe. Moi, comme tout un tas de profs, comme tout un tas de... J'en dors pas la nuit, quoi. Faut qu'on arrête de parler de croissance l'année prochaine. La pauvreté s'étend de façon colossale dans le pays.